Salut à tous et on se retrouve sur One Piece to the Storm. Donc j'étais en vacances, j'ai un peu joué hein, pour monter mon petit Jimbe. Donc là il envoie quand même du pâté, il est à plus de 50 000 de moyenne. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais il est au-dessus des 50 000. Hein. Et donc là il y a un nouveau personnage, il s'agit de Fujitora. Bon bien sûr il est avec Smoker dans le portail. Mais c'est surtout Fujitora qui nous intéresse, hein, parce que Fujitora, il envoie plus de pâté que Smoker, bien que j'aime bien Smoker. Bon, allez, le petit portail. Alors, au niveau des attaques spéciales, forcément, l'attaque spéciale de Fujitora, c'est un météore qui se crache sur la gueule des ennemis, et ça fait plaisir. Donc j'ai pu jouer avec des amis Fujitora, et franchement, ça envoie quand même du pâté. Par contre, il a l'air assez lent sur la carte. Je ne l'ai pas encore joué, hein, même si là, il est bientôt 4 étoiles. Bref, on va essayer de choper le plus de cartes possible pour ce personnage. Et éventuellement pour Smoker, hein, je crache pas dessus. Allez, c'est parti, on va faire deux multi. Alors c'est vachement bien dans le jeu parce que quand on nous envoie des gemmes cadeaux, c'est à coût de 50, c'est à coût de 80. Donc pour invoquer, bah, c'est assez facile. Donc après, derrière, si on a de la merde, ça aide pas. Alors, déjà une gold. Oh. Si je peux choper du spécial là. Yes! La famille. Donc ça doit être Doflamingo ça. La famille. Ah c'est Pika. Et c'est une carte stat. Ok. C'est une grosse carte stat, apparemment. Allez. Ah encore une. Alors, une petite spé, ça serait cool. Ah encore une scène. Aveugle. Ah yes! Ça c'est Fujitora, être aveugle, hein, on sait, voilà, en 5 étoiles, et c'est une carte de stat, putain, c'est une carte de stat, bon, pour Fujitora, et éventuellement, donc je crois que c'est un personnage guerrier, mais, je suis dégoûté, parce que là, je pensais vraiment que j'avais l'aspect, bon, là, le chopper, alors moi, je suis fatigué, donc là, on a de l'aspect, donc, Si je l'avais déjà, c'est que c'est une spé gratuite, en fait. Une carte gratuite. Allez. Encore du Doflamingo. Et la dernière. Ok. Donc, j'ai eu quand même deux golds de stats. Est-ce qu'on peut voir? Ouais. Donc, ça, c'est Cogneur. Donc, ça ira sur mon Jimbe. Et donc, ça doit être Guerrier. Cogneur aussi? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Je pensais qu'il était Guerrier comme Smoker, étant donné que c'est des Sabreurs. Donc il doit être Cogneur, Fujitora aussi. Bon allez, on est parti pour de la deuxième multi. Ouais, c'est ça, un tirage extra. Hein. Allez. Donc c'est assez facile quand même de farmer les gemmes. Hein, puisque il y a un objectif qui consiste à avoir 10 rangs S pour avoir une gemme. Et donc... Oula, il s'est passé quoi là? Il s'est passé... Ah, il s'est transformé en gold. Ça c'est cool. Et c'est... Bon, c'est une carte de daube. Ok. Ah yes! La stack spéciale. Bon, 4 étoiles. Mais même si c'est argent, en fait, on peut les faire évoluer en 6 étoiles, donc en arc-en-ciel. Donc, c'est pas bien gênant de l'avoir en argent. Allez. Ah putain, ça casse, là. Ça casse sa mère. Allez. Et c'est... Encore Fujitora. Et une autre. Ah bah là je suis bien servi. Hein. Sur les deux premières cartes... Au niveau Fujitora, je suis bien servi. Et... Donc là, c'est du Zoro, on s'en fout. Tac, tac. L'ami. Encore du Smoker. La même, hein. La même gratuite hein, qu'on a avec les quêtes. Donc là, une nouvelle carte. Et c'est pour... Alors ça. Je la cherche, cette figurine. Parce qu'elle existe, hein. Elle existe. Mais c'est un prix Ichiban Kuji en last. C'est-à-dire que... Une fois que toutes les figurines sont gagnées, et ben le dernier gagne celle-là. Donc je la cherche grave, elle n'est pas évidente à trouver. Hein. Mais je me l'aurai un jour parce qu'elle est excellente. Allez, on continue. Hop. Et ok, un peu de daube. Bon déjà j'ai quand même eu l'attaque spé de Fujitora, donc je suis plutôt content. J'ai rien eu pour Smoker. Enfin rien eu. C'est des cartes en fait gratos, donc on peut dire que j'ai rien eu. Ok. Donc, je vais pouvoir bien l'équiper déjà. C'est assez cool. Alors.
Il est où le petit Fujitora? On va lui mettre sa petite carte quand même. Hop. L'équipage. Il est assez sympa quand même, hein, parce que j'ai vraiment bien joué ce week-end. Au début, on pense qu'on a... Au niveau énergie, on n'en a pas beaucoup, même quand on monte de level, mais comme il y a pas mal de parties multi, en fait, c'est pas bien gênant. Et en faisant des parties multi, on gagne de l'expérience comme si on utilisait de l'énergie dans les autres jeux, donc ça reste vraiment sympa. On peut y jouer vraiment toute la journée, hein, si on a envie. Bon, moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais... donc, équiper carte. Le Fujitora, il est ici. Donc, on va changer... Voilà, c'est celle-là. Donc, déjà, on va la changer. Alors, hop. Dans les argents. Donc, ça doit être là-dedans. Argent, argent, argent. Petite attaque spé de Fujitora. Ah, voilà. Pas l'attaque spé, mais son attaque pour changer. Voilà. Et l'attaque spé ici. Confirmesh. Donc, ouais, c'est bien un cogneur. On va lui mettre ses petites cartes. Et Pika, je vais le garder pour Jimbe pour l'instant. Donc, je montrerai les spé tranquillou. Donc, ouais, on va remplacer Oggy par Pika. Hop. Alors, ça augmente son attaque, mais... Ah ouais, Hop. Ah, ça augmente pas. Ça descend. Ça... Pika, ça a l'air d'être une carte attaque. Bon, on va le mettre là. Hop. Et on va lui améliorer un peu la face. Hop, hop, hop. Et c'est fini. Hop. Fujitora. Enfin, Fujitora. Fujitora, non! Jimbe. Donc là, il est presque full gold. Bon, je pourrais lui mettre la petite carte Fujitora quand même. Mais bon, j'attendrai d'avoir quelques trucs d'expérience. Donc, il augmente gentiment. Il est sympa à jouer. Donc voilà, je suis à 52 000 de puissance totale. Hein. Et y a un truc sympa. Bien que j'ai pas tout capté, c'est au niveau des... voilà. Des skills qu'on peut avoir en combinant plusieurs personnages. Alors je sais pas comment on débloque plusieurs arbres, mais ça a l'air sympathique. Et au niveau des bonus, chaque classe rapporte un type de bonus particulier. Donc les assassins par exemple c'est le critique. Alors j'ai essayé d'évoluer le lot avec les médailles journalières qu'on gagne. Mais ça n'a pas boosté le taux de coup critique. J'ai essayé d'équiper des cartes, ça n'a pas forcément changé grand chose. Donc je laisse comme ça pour l'instant. Hein. Donc qui permet de comment. Donc ce combo c'est pour le feu, si je dis pas de bêtises. Tac, réduit de chance de prendre feu. Comme ça, donc c'était quand il y avait monnaie, tout ça. Donc maintenant je ferais bien de le virer. Mais c'était pour. Les mecs en combinaison avec les pistolets, enfin les lance-flammes plutôt, qui lançaient du feu, donc il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être très sympathiques. Enfin voilà, donc j'ai bien apprécié jouer pas mal à ce jeu ce week-end. Donc bien sûr, j'ai joué à Dokkan pour monter l'aspect de mon Goku God, hein, de type INT, ça m'a un peu pété les couilles, hein, j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Et sur One Piece Treasure Cruise, il y a pas mal de trucs, notamment Zephyr, hein. Mais je voulais faire une vidéo, je me suis dit peut-être qu'il y sera encore ce matin, donc je me lève, je lance le truc, mais apparemment il y a une grosse mise à jour. Donc il va y avoir tous les donjons film incessamment sous peu avec le film Gold, et il va y avoir aussi le Colisée avec Zephyr. Donc ça je ferai des vidéos dessus parce que c'est un truc... c'est un truc fan service et qui est assez génial quand même. Hein. Bref, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine.